4 sénateurs élus de la province de l'Alaba en RDC, Mwami Mwenda Bantou Mounongo, roi des Baïké, le professeur Kaoumba, Tchikès Diem et Mouzangissa Laurent, investis d'une mission par le bureau du Sénat, ont effectué un déplacement à Kolwezi. Le 23 juin 2021, les 4 sénateurs ont échangé avec Mme Fifi Masuka, gouverneur intérimaire de la province du Lualaba. Nous sommes une délégation de 4 sénateurs élus du Lualaba. Le Sénat a estimé que, au regard de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, que nous rendions sur le terrain, que nous voyons des visus, comme on le dit. Nous avons rencontré Mme la vice-gouverneure. Ce qui nous a frappé, elle a donné un peu le plan sur tous les domaines de développement. Elle s'est fait une idée nette de ce qu'elle doit faire dans le travail. Il a été aussi soulevé que le Lualaba est notre maison. Ce travail ne peut pas s'effectuer si nous ne sommes pas dans une fraternité, dans la paix et dans la cohésion intercommunautaire. Je pense que tout ce que nous lui avons dit, son oreille était très attentive. Nous l'encourageons à aller de l'avant, de travailler, tout en tenant compte des autres aspects. Il y en a eu sur le plan géostratégique, où dit le Lualaba, il réunit les intérêts des grandes puissances en ce qui concerne ces minerais. Il réunira davantage. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons être envahis. Donc on doit tenir compte de tous ces aspects géostratégiques. Nous avons soulevé le problème actuel de la COVID. Nous avons vu ça tous ensemble sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan même de l'entente intercommunautaire de toute la population. Je pense que l'oreille a été attentive. Oui. La primeur de notre rapport sera destinée à qui nous a envoyé sur place, ça signifie le bureau du Sénat. Rassurez-vous. En disant simplement que nous voulons qu'elle s'investisse, que tout le monde s'investisse dans l'entente intercommunautaire, dans la cohésion familiale. Et là-bas, c'est une maison. Il y a les Basanga, il y a les Dembo, il y a les Lunda, il y a les Tchokwe, il y a les Minungu, il y a les Baluba. Et les Bayeke. Cette entente intercommunautaire, je crois qu'elle était plus importante. Et vous savez, dans une maison, il y a toujours des problèmes entre enfants. Si nous pouvons privilégier cette cohésion du Lualaba pour l'avenir de nos enfants, c'est le plus important. Le reste, les hommes passent, les institutions. Excellence, Monsieur le Sénateur, Gouré-Mouzo. Le 24 juin 2021, les 4 sénateurs ont échangé avec l'Assemblée provinciale du Lualaba à Kolwezi et la primeur du rapport de cette mission est réservée au bureau du Sénat. Donc c'était plutôt des échanges fraternels sur tout ce qui concerne notre province. Il n'y a pas eu autre chose. Nous avons trouvé une oreille plutôt attentive à tout ce que nous avons dit, comme nous aussi. Nous avons été très ouverts. La primeur est réservée à celui qui nous a envoyé pour vous. Vous savez, les Belges ont l'habitude de dire « l'union fait la force ». Les Lualaba aujourd'hui présentent tous les atouts pour que nous comprenions. Présentent tous les atouts pour que nous prenions l'envol. Et ce n'est pas toutes les provinces qui ont cette chance-là. N'est-ce pas un motif de discussion, d'échange entre nous? Et nous avons tourné autour de ça. Que devons-nous faire pour nos routes au Lualaba avec nos 5 territoires? C'était très bien. Les représentants du peuple nous ont vraiment éclairé. Ils ont éclairé notre lanterne. Je crois que c'était plutôt des échanges fraternels dans l'unité, dans la cohésion intercommunautaire. Je crois que c'était bien. Merci beaucoup. Merci.